la rencontre entre l'OL et la J Auxerre. Malik Fofana sur son pied droit qui tente d'accélérer, la frappe de Fofana sur la transversale avec la tête d'Over. Est-ce que ça passe pour juste. Malik Fofana? Oui, le centre tenté par Malik, c'est trop pour Georges Mikotadze. Le ballon n'est toutefois pas sorti ici. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir si le ballon est vraiment sorti. Je suis pas sûr, hein. Monsieur Stinat qui va revoir cette action. Et c'est un pénalty obtenu d'ouvrir son compteur but avec l'OL. L'ouverture du score de Georges Mikotadze. La libération pour le roi Georges. Un deuxième corner à frapper. Encore pour la tête de Diomandé. C'était cadré, c'est au fond. L'ancien Lyonnais Sinali Diomandé. Le Serbe qui va trouver Saïd Benrahma. Le centre au second poteau. La tête de Mikotadze. Et le but, le doublé pour le roi Georges. Après son pénalty, Georges Mikotadze. Over le centre dans les 6 mètres de Lucas Perry. Et le dégagement devant sa ligne. Pas de faute dans la surface. Contrôle de Ravelosson. Ballon en retrait. La frappe lointaine de Diomandé. Non, bon, quelle réussite énorme du général qui va talonner pour Zaha. La frappe de Wilfried Zaha, c'était cadré, l'arrêt en deux temps. Challenge de Maitland Niles. Le centre dans la surface de Maitland Niles. Oh, Malik Fofana. On a Iwu. Le décalage pour Théo Bert. La frappe, l'arrêt de Lucas Perry. Qui remet ce ballon dans la boîte. Non, Lucas Perry qui a hésité à sortir. Et siffle la fin de cette rencontre sur le score de 2 buts partout.